Pierre Brodin, quelle est votre analyse de ce match? Victoire de Westerlo, vous avez l'impression qu'elle est méritée ce soir? Sur l'ensemble du match, parce que ouais, elle est méritée, on n'a pas fait assez pour gagner. Après, je pense qu'on commence bien le match avec des bonnes intentions, de la bonne intensité, des bonnes combinaisons. On marque un but qui nous est refusé, je ne sais pourquoi, parce qu'il n'y avait pas du tout de faute, ni de bloc, ni rien du tout. C'était juste un corner normal. L'arbitre refuse. Et à partir de là, je pense qu'on plonge un petit peu. Après la demi-heure, on plonge mentalement, physiquement. On n'est plus dans les duels, on n'est plus sur les second ballons. Et Westerlo rentre dans le match et commence à mettre le feu. Et on commence à subir et on prend un penalty sur une faute de main légère. Mais l'arbitre a décidé que c'était penalty et c'est 1-0 pour Westerlo. Après, en deuxième mi-temps, on revient, on essaie de revenir. Et bien sûr, on laisse des espaces et Westerlo met le deuxième. Et après, ils ont tout fermé. Et nous, on a beau essayer de centrer, on a eu beaucoup de centres, mais pas assez concluant et pas assez efficace. Qu'est-ce qui manque à l'heure actuelle à cette équipe du Berscott? Ce sont encore les automatismes qu'il faut travailler, apprendre à jouer ensemble. Bon, on voit qu'on peut bien jouer ensemble, mais les 30 premières minutes, on joue très bien ensemble. On a des occasions, on a tout ce qu'il faut, mais je pense que c'est un peu de confiance de marquer des buts dans le jeu, parce que ça fait 4 matchs qu'on n'a pas marqué dans le jeu en championnat. Donc je pense que dès qu'on va marquer des buts dans le jeu, la confiance va revenir, les attaquants vont reprendre ce petit grain de folie pour faire des différences individuelles et marquer des buts. Westerlo prend 5 points d'avance sur vous, ils sont en tête de la Proximus League, mais l'objectif du Berscott, ça reste de jouer la tête. Oui, de toute manière, on sait que la D1B est pleine de surprises jusqu'au bout. Donc 5 points, on les joue encore 3 fois, enfin une fois avant la fin de la première période. Ils vont perdre des points, nous on va en gagner, on va en perdre. Des équipes comme Louvain vont en perdre et en gagner. Tout reste ouvert. On est qu'à 4 journées de championnat, 4 ou 5, donc je pense que tout est possible encore. Il n'y a pas d'inquiétude de votre côté? Non, pas d'inquiétude, juste à continuer à travailler encore plus fort et à prendre le rythme de croisière pour pouvoir enchaîner les victoires. Stijn Vreven, jullie verliezen vandaag met 2-0 hier in Westerlo. Hoe heb jij deze partij beleefd? Ik denk over 90 minuten gezien dat Westerlo verdiend heeft gewonnen. Ik vond wel dat we goed aan de wedstrijd begonnen. Het eerste kwartier vond ik zelfs heel goed. We krijgen een 100% kans met Plakka. En we krijgen ook een afgekeurde goal. Ja, ik heb ze teruggezien waar ik niet van weet waarom ze werd afgekeurd. Ja, achteraf zegt de scheid zelfs. En dan moet ik toch dringend de regels gaan leren. Dat wij zelfs niet meer in de 5 meter mogen gaan staan. Dus dat wist ik niet. Dat is iets nieuws. Dus ik was zeer verrast door de afgekeurde goal. Krijgen we een penalty tegen en vanaf dat moment was het gewoon moeizaam. Hadden we moeite met ons in de wedstrijd te knokken en tegen een heel energiek Westerlo hebben we ons eigenlijk geen vuist kunnen maken, vind ik. Dus na 90 minuten gezien heb ik die grint op mijn ploeg zeker gemist en dan verlies je eigenlijk gewoon duidelijk. Jullie hebben nu 7 punten, nog geen man overboord, maar je scoort nog maar 3 keer op 5 wedstrijden. Is dat het probleem voorlopig voor jullie? Ja, ik vind wel in deze reeks dat je heel efficiënt moet proberen te zijn. Hè. Ik bedoel, we krijgen wel elke wedstrijd kansen, dus, maar daar gaan we helemaal niet efficiënt mee om. Ja. Dan is het moeilijk om wedstrijden te winnen. Als je dan ook nog eens niet de nul houdt, ja, dan wordt het nog moeilijker. Dus die efficiëntie moet zeker vooruit gaan, die moet beter worden. Maar goed, ik denk ook wel, willen wij meespelen voor de bovenste plaatsen, ja, dan moet er ook meer grint te hard in de ploeg komen. Ik vind dat wij doen allemaal ons best, maar het is 1B voetballen, je best doen en alleen leuk willen voetballen op momenten is niet goed genoeg in deze reeks en dat hebben we nog niet met z'n allen door. Volgende week thuis tegen Lommel, wat verwacht je daarvan? Dat is weer een moeilijke wedstrijd. Hè. Als je ziet dat Lommel tegen Union een gelijkspel houdt en zelfs iets meer had kunnen hebben, dan wordt dat opnieuw een moeilijke wedstrijd. Maar zoals ik voor de wedstrijd gezegd heb, ze zijn allemaal heel moeilijk. Maar wij moeten vooral naar onszelf kijken. Wij moeten 1, 2, 3 stapjes bijzetten. Veel meer grinta tonen. Veel meer met het mes tussen de tanden spelen willen wij van boven meedoen.